Ce soir donc, Annecy est un peu la capitale économique de Rhône-Alpes, allez, allons-y. En tout cas, sa capitale de l'innovation. Je dois dire que nous avons été très honorés de l'accueil qui nous a été fait ici quand nous sommes venus présenter notre projet. C'était vers la fin du printemps. Les hôtes remarquables que nous accueillons ce soir, eh bien, ce sont nos partenaires qui vont nous rejoindre maintenant sur scène. La majorité des entreprises, et 4 sur 5, déclarent avoir innové depuis 3 ans. Et ça, dans une diversité de domaines d'activité, en matière de produits et technologies, bien sûr, mais aussi de procédés internes, d'organisation, marketing ou commercial. Nous avons reçu cette année 115 dossiers de candidature. Donc Didier vous l'a dit, c'est un record pour nous. Nous en sommes fiers, des jeunes entreprises, des PME-PMI et des grands groupes. Notre métier, c'est d'abord l'innovation et donc depuis l'origine des trophées, nous sommes partenaires. C'est une façon déjà nous de repérer de nouvelles entreprises dans le domaine de l'innovation et c'est aussi un moyen de montrer cette dynamique qu'il y a sur tout Rhône-Alpes auprès de PME ou d'entreprises plus importantes dans le domaine de l'innovation. On nage dans le bonheur. Enfin, honnêtement, on ne pensait vraiment pas au jour d'aujourd'hui être primé. Nous, c'est vrai qu'on est dans une activité de service, les visites d'entreprise, on est une association. Donc pour nous, c'est une sacrée reconnaissance. Ça prouve que ce qu'on fait est une innovation qui paraît intéressante pour plein de gens et en tout cas pour le jury. Ce territoire regorge d'entreprises innovantes, qui bougent, avec des personnalités de chefs d'entreprise qui sont superbes. Donc à nous de les mettre en lumière. L'innovation, ce que j'appelle l'innovation stratégique, c'est-à-dire celle qui remet en cause les principes acquis, l'innovation de rupture, c'est le seul moyen de préserver une valeur ajoutée forte, de préserver et de gagner des parts de marché. Rhône-Alpes est une région extrêmement innovante et moi je salue la dynamique que peut créer Bref Rhône-Alpes pour montrer qu'il y a plein de choses qui se font. Il faut que chaque entreprise, petite, moyenne ou grande, montre l'exemple et que nous, médias, nous mettions en valeur tout ce qui se passe en Rhône-Alpes pour développer des synergies, pour développer des richesses économiques régionales. C'est vrai que bon, Lyon, on y serait allé, mais c'est quand même très bien qu'ils viennent à Annecy, qui est quand même une région assez dynamique en termes d'entreprise. Pour nous, le fait que ça se déroule déjà dans les deux Savoies, c'est un vrai plus. Parce que c'est un territoire où, quelque part, on a très peu d'entreprises encore, donc on espère en avoir plus. Comme toujours, c'est des rencontres exceptionnelles. Et les rencontres aussi inattendues, parce qu'on découvre toujours de nouvelles entreprises. Pourtant, je pense que nous en connaissons beaucoup sur Rhône-Alpes, mais il y en a toujours des nouvelles qui sortent avec des produits particulièrement exceptionnels.